Bonjour à tous et bienvenue dans la démonstration de Genèse, un tour de cartes assez facile à faire et pourtant très spectaculaire. Il se fait avec un jeu de 52 cartes, tout à fait normal, des faces différentes, des dos identiques. On peut commencer par mélanger mais c'est pas indispensable. Et on va proposer au spectateur de choisir une carte. Le choix est totalement libre, il peut prendre la carte qu'il veut, par exemple ici. Son choix s'est porté sur la dame de cœur. On va lui proposer de dire stop où il a envie pour remettre sa carte dans le jeu, par exemple ici. Et on va couper une première fois, une deuxième fois et une troisième fois pour bien perdre sa carte. Pour être sûr qu'elle soit bien perdue, on va mélanger une première fois sur la table, une deuxième fois sur la table et une troisième fois à la française. La carte est tellement bien perdue qu'on peut lui montrer les premières cartes, les cartes suivantes, etc. Elle est vraiment perdue. Bon, pour la dernière partie du jeu, on va lui proposer une méthode un peu plus originale, un peu plus amusante pour vérifier si sa carte s'y trouve. On va lui demander si sa carte était la dernière du jeu. Il va probablement répondre non, donc on va poser la carte sur la table. La suivante sur le dessus du paquet, comme ça on a une chance sur deux, hein, ça augmente un peu le risque. Était-ce la dame de carreau? Non, on va poser la carte sur la table, la suivante sur le jeu. Roi de carreau non plus, sur la table, sur le jeu. Valet de pique non plus, sur la table, sur le jeu. 6 de pique non plus, c'était pas une de ces quatre cartes? Vous en êtes bien sûr? Écoutez, vous avez pu avoir un moment d'inattention. On va tout de même vérifier par la même méthode. Était-ce celle-ci, 10 de cœur? Non. Je pose sur la table, je remonte sur le paquet. Était-ce celle-ci, as de carreau? Non. N'était-ce pas une de ces trois cartes? N'était-ce pas celle-là? Ah si, c'était celle-là.